Donc, bonjour à tous, soyez tous la bienvenue. Aujourd'hui, dimanche, le 17 juillet 2022, à cette session info de la SkyWorld Community. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Charles Citers, je suis responsable commercial pour la plateforme SkyWorld Community depuis un an. Et depuis mon début, j'ai été émerveillé par cette technologie fantastique qui va résoudre tous nos problèmes de transport actuels que nous avons aujourd'hui dans le monde entier. Alors, qui est la SkyWorld Community? Laissez-moi commencer à vous présenter les membres du conseil. Alors, on commence avec Evgeny Kudryashov, membre directeur de finance. C'est lui qui résout tous les problèmes qu'on pourrait avoir avec les paiements. Alors, en deuxième place, Madame Irina Volkova, membre, ingénieure. Elle est responsable pour la communication entre les pays et ses leaders. Il y a encore des gens qui rentrent. Mes excuses, admit all. Ouais, can't I hide this? Voilà. Et en troisième place, František Solár, membre, grand homme d'affaires aussi. Ingénieur, et en quatrième place, docteur Vladimir Maslov, membre, avocat, docteur en économie. Donc, monsieur Solár et monsieur Maslov, eux voyagent beaucoup pour visiter les pays là où une co-entreprise existe déjà pour la technologie. Et en cinquième place, monsieur Alexis Soukhodiev, membre, ingénieur. C'est lui, il est surtout spécialiste en informatique et tout ce qui est blockchain, crypto et tout ce qui est le système des leads. Encore du monde qui rentre, laissez-moi les rentrer. Voilà. Alors, que est la compagnie SWC ou bien SkyWorld Community? Donc, vous avez la technologie Unisky Strain. Donc, SkyWorld Community est une plateforme de financement participatif à travers laquelle tout le monde peut investir dans Unisky Strain Technologies, transport innovatif. Alors, on vous offre trois options. La première option, c'est que vous êtes un investisseur, un participant, et vous concluez un accord de prêt convertible qui transfère des fonds à la SkyWorld Community Platform. En deuxième place, vous avez la possibilité d'être partenaire et donc vous accompagnez la croissance des startups technologiques internationales. Ou bien, vous avez la troisième option, c'est que vous pouvez être investisseur et partenaire. Pour être partenaire, on n'a pas besoin de faire un investissement, vous pouvez comme ça commencer. Alors, que est USKY? USKY est un transport innovant qui se déplace au-dessus du sol sur des rails de corde à haute résistance. Donc, pas d'embouteillage. Pourquoi? La structure de la voie, elle est au-dessus du sol. Pas de pollution. Pourquoi? Le transport est alimenté par de l'électricité sans polluer l'atmosphère. Et naturellement, pas de frontières. USKY peut être construit sur tout terrain et dans n'importe quel climat. Alors, comme vous savez, les transports modernes ont beaucoup de problèmes. Des terrains différents ont des défis différents. Par exemple, des tempêtes de sable, des pluies torrentielles et inondations, et dans certains pays, beaucoup de neige. Aussi, avec les transports de marchandises actuels, ça cause des énormes embouteillages et surpopulation sur la route. Avec notre technologie, les options de transport sont simplifiées. Avec transport de passagers, vous savez, sur la route, beaucoup de problèmes d'embouteillage, des immenses trafics. Et avec notre technologie, le trajet se déroule sans souci et, naturellement très important pour nous, c'est propre. Alors, pour tout ce qui est problème logiciel, vous savez, dans les ports, avec les bateaux, avec les conteneurs, beaucoup de problèmes d'amarrage, des retards d'expédition et des grandes files d'attente. Avec notre technologie, la fluidité de l'expédition se déroule sans aucun souci. Alors, vous savez aussi que beaucoup de solutions existantes sont inefficaces.
On va vous les en expliquer plus loin dans la présentation. Alors, les solutions existantes sont inefficaces. Ici, vous voyez en gauche, en bas, notre responsable communication, Madame Kat Jacobs, qui a plusieurs reprises, a eu 4 réunions au port d'Anvers, en Belgique, c'est notre pays, un des plus grands ports au monde, et pendant 12, ça fait déjà depuis 12 ans, qui sont à la recherche d'une solution pour tout ce qui est leur bateau, les amarrages des conteneurs et le transport dans les ports. Et notre technologie a été expliquée là, et ils ont été éblouis par la technologie. Alors, que offre YouSky? YouSky vous offre la variété jusqu'à 12 véhicules, en allant du Uniwent au Unibike, au Unicar, au High Speed, jusqu'au Unicant. Laissez-moi vous les expliquer. Toute solution est simplifiée pour le transport de marchandises, mais aussi de passagers. Alors, le U-Bike et le U-Bus, ce sont deux véhicules avec lesquels nous avons commencé. Ici, vous voyez les vraies photos, à la gauche du Unibike et à droite du Unibus. Au fur et à mesure que la compagnie a grandi, on a aussi évolué parce qu'on a remarqué que la demande de pays à pays ou de ville en ville varie énormément. De là jusqu'à ce moment, on a évolué de 2 jusqu'à déjà 12 véhicules. Alors, le U-Car, c'est une vraie photo du Unicar. Alors, le U-Truck, c'est une vraie photo du U-Truck. Celui-là, il a été construit tout ce qui est pour le transport de gravier, de sable, de pierre. Et pour le charger, le décharger, seulement 3 secondes de durée. Le Unitrans, ou tout ce qui est le transport. Et aussi le Uniwent. Celui-là, il a été construit surtout pour des pays très, très éloignés l'un de l'autre. Je vais vous raconter une petite anecdote ici dessus. Ici, à votre gauche, vous voyez sur la photo comme un hélicoptère. Mais ce n'est pas simplement comme ça un hélicoptère, c'est un drone. Donc, ça veut dire que c'est un engin qui peut être télécommandé à distance. Et 2 à 3 personnes, 4 personnes peuvent être assises dans ce véhicule. Quel est l'avantage? C'est que ce véhicule, ce drone, peut soulever un poids jusqu'à 1 tonne. Donc, vous voyez le point d'ancrage ici à votre droite, point d'ancrage. Donc, ce drone peut soulever ce point d'ancrage, peut facilement aller placer le point d'ancrage dans n'importe quel climat, n'importe quel terrain pour aller placer ce point d'ancrage. Et seulement 2 ouvriers et un ingénieur sont besoin pour aller placer cela. Alors, le U-Flash, ici, une vraie photo aussi du Unibus à haute vitesse qui peut atteindre des vitesses jusqu'à 500 km par heure. Ici, vous voyez une photo de responsable communication, Mme Jacobs, et M. Christian Van de Veve, ambassadeur au Nigeria, qui pose très fièrement dans le Unibus à haute vitesse. Aussi, eux ont partagé que l'intérieur, elle est tellement luxueuse qu'on peut aller la comparer avec un jet privé. Alors, le Yukont. Le Yukont, vous le voyez ici, plus en détail, ici. Le Yukont a été construit spécifiquement pour tout ce qui est transport de cargaison, de conteneurs, de marchandises. Alors, vous voyez ici les ouvriers en train de travailler fortement au moteur. Ici, en détail, à votre droite, vous avez une photo détaillée du moteur, à quoi ça ressemble. Et quel est l'avantage, surtout, parce que celui-là, il va surtout fortement changer la vision de la compagnie, c'est que le transport, le frais de transport est de 1 dollar par 100 tonnes le kilomètre, ce qui fait une grande différence. Et la grande différence en plus, c'est qu'on n'aura pas de problème d'embouteillage, pas des immenses trafics, et naturellement, la technologie est tellement propre que de la fluidité vers les ports vont se passer très facilement. Et alors, un des derniers modèles qui est en pleine réalisation, c'est le U-Light. Donc, YouSky Transport peut servir d'un assistant extrêmement utile sur le marché du tourisme, ainsi que pour le passe-temps et les intérêts. C'est très confortable et écologique, et l'économie des ressources de transport, aussi bien on l'utilisera dans des métropoles et en dehors.
Alors, comment fonctionne la technologie Yuska? Laissez-moi vous expliquer la voie principale, donc la rail à corde à haute résistance. Donc, vous voyez ici l'armature de chemin de fer. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette armature de chemin de fer? C'est qu'il y a un concret, un béton flexible. Et puis, vous avez tous ces petits points blancs. Ces points blancs, ce ne sont pas simplement des points blancs, ce sont des câbles. Puis, vous avez au-dessus, là où la roue du moteur du véhicule roule dessus, aussi un chemin de fer, mais c'est un métal qui est composé de plusieurs métaux. Il est très, très, très spécial. Donc, la fixation du câblage, renforcement du mur, protection et surtout pour l'absorption du bruit. Ce fut une invention aussi de notre CEO, M. Anatoly Netsky, et où il a aussi un brevet dessus. Ici en détail, en dessus, vous avez aussi le rond blanc et le rond bleu. Ce sont des tubes où éventuellement on peut faire passer du câblage à travers. Alors, la voie principale, hein, elle est 5 fois plus lisse et naturellement 3 fois plus fort. Pourquoi 5 fois plus lisse? Parce qu'aussi bien que le chemin de fer que la roue du véhicule sont composés du même métal. Pourquoi 3 fois plus fort? C'est que vous avez le numéro A, la lettre A et la lettre B, ce sont 2 points d'ancrage. Chaque point d'ancrage, encore un point d'ancrage en plus, ce qui fait en sorte que de la rail à corde à haute résistance, donc la voie même, est très forte. Et vous voyez aussi que les voies, on peut les construire sur n'importe quel terrain. Donc on peut passer au-dessus de l'eau, au-dessus des montagnes et au-dessus des vallées. Alors, plusieurs types de voies principales à rail à corde existent. Vous avez le flexible, celui-là, qui est fait pour des longues distances. Hein. Les distances entre les 2 points d'ancrage peuvent atteindre jusqu'à 5 km. Puis vous avez le rigide. Celui-là a surtout été construit pour tout poids lourd. Donc, on peut aussi bien déplacer les véhicules en dessous qu'au-dessus. Et puis, vous avez le semi-rigide. Celui-là, on peut un peu aller le comparer avec les trams, les bus ou les métros actuels d'aujourd'hui. Puis, vous avez le cœur du véhicule, c'est le moteur U-Sky. Donc, le moteur U-Sky, il peut fonctionner hein, sur tout, au gaz naturel, au méthane, à l'hydrogène et à d'autres carburants, tout le temps en respectant l'environnement. Ici, vous avez une photo avec les détails du moteur même. Ici, vous avez la roue. Ici, vous l'avez du profil. Donc, comme je vous expliquais, c'est que les métaux de la roue sont composés des mêmes métaux que la voie principale, de là que la voie se passe très lisse. Et puis ici, vous avez la voie à corde à haute résistance en détail. Alors, les avantages du transport à câble. Les avantages, c'est que l'aérodynamique joue un rôle très important. Pourquoi? L'aérodynamique du transport à câble, elle est beaucoup plus haute que celle de la voiture. Comment est-ce qu'on prononce l'aérodynamique? L'aérodynamique se prononce en CX. Chez une voiture, le CX est 0,4. Qu'est-ce qu'il est CX? Quand une voiture roule en avant, du vent passe en dessous et du vent passe en dessous. Mais une fois que ces deux vents se joignent à l'arrière, des tourbillons se créent, ce qui fait en sorte que la voiture va avoir une expérience de freinage. Donc, au plus qu'elle va aller plus vite, au plus le carburant va être utilisé à ce moment-là. Chez une voiture de Formule 1, qui aussi, elle, est déjà très basse, le CX est 0,2. Chez notre technologie, la CX est seulement 0,06, ce qui fait une énorme différence. Alors, pour cette raison, hein, un transport à grande vitesse U-Sky peut économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant chaque année, ce qui est énorme. Alors, naturellement, la technologie Unesco Stream surpasse tous les analogues de transport existants dans tous les paramètres techniques. Alors, je vais vous les expliquer. Alors, vous avez les frais de construction.
on vous compare notre technologie en comparaison avec les autres, on est le plus bas. Les frais de maintenance, on est aussi le plus bas. La consommation d'énergie, on est le plus bas. Et la capacité de nombre de gens qu'on peut transporter par heure, on est le plus haut. Très important pour nous aussi, c'est naturellement c'est l'environnement, la pollution. Notre technologie, elle consomme, elle pollue presque rien, presque pas. Quand on compare aux autres, on est le plus bas. Et aussi très important pour nous, c'est le ratio des accidents de transport. On est le plus bas. Notre technologie, elle fonctionne sur une intelligence artificielle. Il faut savoir, actuellement, par an, 1,5 million de gens meurent dans un accident de transport. Ça veut dire qu'avec notre technologie, on sauvera 1 500 000 personnes par an, ce qui est énorme. On est très fiers de cela. Alors, U-Sky, l'économie plus la vitesse. Vous voyez ici les moyens de transport qu'on connaît, l'avion, le camion, le train, le bateau. Et puis, vous avez notre technologie. En frais de livraison, on est le plus bas. Et en temps de livraison, on est le deuxième. Mais quand même, quand on compare avec tous les autres, on est le meilleur. Alors, notre technologie UniSQSWing, elle est jusqu'à 10 fois moins chère que des solutions de transport en perspective ou actuelles. Laissez-moi vous les expliquer. Je vais bouger cela ici à la gauche, comme ça. Donc, U-Sky, on va les comparer avec le monorail, la lévitation magnétique et la Hyperloop. Oui, ils sont tous écologiques. Question sécurité, nous, on est le plus haut. Mais un des plus importants, c'est l'adaptabilité du terrain. Chez nous, comme je vous disais au début de la présentation, il n'y a pas de limite pour nous. On peut construire au-dessus de l'eau, au-dessus des montagnes, au-dessus des vallées. Mais gardez la comparaison avec les autres, avec le monorail, la lévitation magnétique et les Hyperloop. Eux ont tous besoin d'une terre plate. Donc, ça veut dire qu'ils abîment, ils cassent la nature. Donc, beaucoup plus d'ouvriers sont nécessaires. Donc, les frais sont beaucoup plus hauts. Et alors, une grande différence, regardez la différence de prix d'opération pour construire la technologie en comparaison avec les autres. La Hyperloop peut aller au-dessus des 100 millions par kilomètre. Notre technologie, entre les 3 à 8 millions de dollars le kilomètre, dépendant du terrain où on le construit. Grande différence. Et naturellement, vous connaissez tous le train. Tout le monde connaît le train. Moi aussi, je connais le train de mon pays. On a beaucoup de trains. Ça coûte de 22 millions de dollars par kilomètre. Et chez nous, seulement entre les 3 et les 8. Donc, ça fait une grande différence. Alors, l'auteur de la technologie. L'auteur de la technologie, c'est M. Anatoly Yunitsky Eduardovitch, chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies, auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies et 200 articles scientifiques. C'est un très grand homme. Moi-même, je n'ai pas encore eu la joie de le rencontrer, mais un jour, je vais le rencontrer, ça je le sais. Madame Katia Kops a rencontré M. Anatoly Yunitsky. Elle a dit, si cet homme serait un acteur, il serait connu mondialement. Ici, plusieurs plans de ses créations qu'il a au fur et à mesure des années. Il faut savoir qu'il est déjà occupé depuis 40 ans avec des dessins, avec des idées et surtout sa focalisation sur Skyway depuis 40 ans déjà. Ici, vous avez une photo de lui-même avec son première idée d'essai, c'est la Jeep. Elle est encore toujours, il y a un grand musée déjà maintenant aussi en Biélorussie, à Marina Gorka, au parc EcoTest. Et là, ce véhicule, il est présenté là-dehors et pouvait aller le visiter aussi. Alors, brevets, certificats et expositions. Jusqu'à plus de 130 brevets dans le monde, en allant de la Chine à l'Australie, sont au nom de M. Anatoly Yunitsky. Alors, des expositions internationales, en allant de Singapour à Berlin, où la technologie a été expliquée, a été représentée par plusieurs membres de la technologie de l'usine même.
Ici à votre droite, vous avez Madame Katia Kopp avec, en présence de Monsieur Anatoly Ineski et aussi avec deux autres personnes représentant la compagnie des trains de notre pays, la Belgique, où ils ont pu expliquer tous les problèmes qu'ils ont le jour actuel. Aussi, c'est une autre plume sur le chapeau. Ici, vous avez Madame Nadiezda, l'épouse de Monsieur Anatoly Ineski. Donc, M. Anatoly Ineski, lui, il peut se focaliser 100% sur la technologie et son épouse s'occupe tout ce qui est des affaires de la compagnie même. Et en 2018, ils ont eu un certificat pour la gestion de systèmes selon le standard international 2015. Ce fut un grand moment, donc un très grand bravo pour cela. Alors, production et résultats. Nous avons nos propres bureaux et nos propres employés. Ici à droite, vous avez nos bureaux qui se trouvent dans la capitale de Minsk, qui est la capitale de la Biélorussie, qui est un pays indépendant entre l'Europe et la Russie. Tout ce bâtiment que vous voyez là nous appartient. Bon, on n'a pas d'involvement de gouvernement ou de banque. Et 600 employés, en allant de grands diplômés, des architectes, des ingénieurs, des ouvriers, travaillent pour la société et vous les voyez tous ici représentés très heureux devant la technologie. Ici aussi, des photos de l'usine U-Sky. Tout au début, nous avons commencé avec le bâtiment au milieu. Au fur et à mesure que la compagnie a grandi, nous avons continué avec un deuxième bâtiment et puis un troisième bâtiment. Aussi, ici, une photo où vous voyez les ouvriers qui posent très fièrement devant un de ces véhicules. À droite, vous voyez des ouvriers qui posent devant le véhicule qui a été construit spécialement pour des pays très, très chauds. Et vous voyez aussi là, sur la photo, parce que ce fut une question d'un de nos membres de la plateforme, mais ces véhicules, l'extérieur, c'est tout du verre. Oui, c'est tout du verre. Là-dessus aussi, c'est une invention de notre CEO, M. Anatoly Ineski. C'est un verre, pas un verre normal, c'est un verre très spécial. En pleine haute vitesse, ce verre, il peut avoir un projectile qui peut toucher le verre à une vitesse de plus de 100 km/h. Ce verre ne se brisera pas. Donc, très spécial. Alors, le Eco-Technoparc Marina Gorka, à environ 150 km de la capitale Minsk à Biélorussie. Vous avez le parc ici. Sur le parc, vous avez les différentes voies, les différents véhicules pour tout tester. Vous avez aussi les arbres de fruits, vous avez aussi un étang avec du poisson, vous avez aussi à votre droite ici le greenhouse qui se trouve ici. C'est un parc où les visiteurs peuvent aller visiter la technologie, mais aussi où des centaines de délégués du monde entier ont déjà été visités. Et pourquoi cette création aussi des arbres, des temps, des poissons? C'est que pour montrer que notre technologie, elle est écologique et qu'elle est bonne pour l'environnement. Donc, les gens qui viennent là mangent du poisson de l'étang, mangent des fruits et des légumes du potager aussi, rien que pour montrer que la technologie ne pollue pas. Alors, un deuxième centre d'innovation U-Sky, elle se trouve aux États arabes unis. Pour ceux qui souhaitent visiter ce centre d'innovation, vous pouvez aller le visiter. Il est bien en pleine construction encore pour l'instant. Si vous êtes allé le visiter, prenez une photo de l'écran, contactez les gens sur place, envoyez un mail, téléphonez-les, faites un rendez-vous et ils vous donneront les dates disponibles pour pouvoir aller visiter le parc. Alors, une autre photo très importante au centre d'innovation U-Sky aux États arabes unis, fut celle-là. Cette photo a été prise avec tout au début de l'ouverture, quand le premier point d'ancrage de la technologie a été placé. Ici à droite, vous avez M. Anatoly Ineski qui pose très fièrement en dessous du panneau d'affichage U-Sky Test and Certification Center et aussi un point, la construction du point d'intérêt d'arrêt pour la technologie qui fut ouverte.
Alors, après toutes ces grandes innovations, beaucoup de différents canaux ont été intéressés. On a été dans plusieurs nouvelles médiatiques. On a été sur CNN Business. On a été sur Fox News. On a fait plusieurs grandes expos. Ce fut une très grande expo où on a été bien représentés. Aussi, en mars, nous avions été représentés par un de nos membres de notre équipe qui représente les Indes, Monsieur Saïd Esmaïnouddine, où l'exposition Smart Cities, là où la technologie a été représentée comme très innovante et qui montra beaucoup de solutions de transport et d'infrastructures à l'exposition. Ici, vous voyez quelques photos de notre collègue, ici Monsieur Saïd, représentant avec des investisseurs, futurs investisseurs, qui sont très fiers de participer à cette fantastique technologie. Ici encore quelques photos. Alors, une grande nouvelle, c'est qu'aussi cette année, nous avons eu un certificat très important. Et le certificat dit que la Chambre de commerce et d'industrie de Biélorussie a reconnu la technologie Unesco Stream en tant que partenaire fiable et de bonne foi pour les activités commerciales en Biélorussie et aussi à l'étranger. Donc, ça veut dire qu'on peut construire partout où on le souhaite. Alors, après cette grande nouvelle, naturellement, le transport de cargaison et de passagers à New Sky est prêt à entrer sur le marché mondial en 2022. Naturellement, on est déjà mi-2022, on est déjà bien rentré dans cette année et on fait que grandir en ce moment. Alors, aussi, une très grande nouvelle vient d'un pays, d'un Anambra, du Nigeria, donc où le gouverneur Charles Chukwuma Soludo, en compagnie de notre ambassadeur qui représente le Nigeria, où eux ont signé un contrat, où vont commencer les premiers pas pour placer la technologie pour une voie. Et ça fut une grande, grande nouvelle. Ici, vous avez une photo du gouverneur Charles Chukwuma Soludo. C'est aussi une personne qui est innovatif et qui veut rendre son pays innovatif. Il a déjà fait des grands changements en question infrastructure, aussi aéroport. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite évoluer aussi son pays. Donc, un très grand bravo pour le Nigeria. Alors, YouSky, bien compris et bien établi déjà dans tout le monde, faut savoir, plus de 50 délégations internationales ont visité le centre YouSky et la production en Biélorussie depuis 2014. Et on ne fait qu'avoir plus de visites aussi à Sharjah, aux États arabes unis, dans notre centre d'innovation YouSky. Alors, Unesco String Technology, les offres d'investissement sont uniques. Aujourd'hui, le projet est dans sa phase de développement 14.2. Vous savez, on a commencé en 2015. Aujourd'hui, on est 2022. Chaque étape, il y a eu plusieurs étapes. Il y en a 15 en total. Et en ce moment, on se trouve en 14.2, entre les 14.2 et les 15. Chaque stage, on a eu des investissements. Une fois qu'on était en stage 8, on n'a plus de risque. Donc, ça veut dire que s'il devrait quelque chose se passer à la compagnie, chaque investissement est sécurisé. Alors, tout le monde peut investir. Qu'est-ce que nous offrons? Nous offrons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Donc, des plans de versement flexibles. Donc, vous pouvez aussi diviser le paiement du pack d'investissement en allant de 5 à 9 mois. Faut savoir, jusqu'à présent, nous avons plus de 400 000 investisseurs avec nous, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Donc, tout le monde peut investir. Alors, laissez-moi vous donner un petit mot d'explication de cela ici. Je vais mettre ça en haut, comme ça. Des perspectives d'investissement. On parle de dividendes. Donc, dividendes. En cas de réussite de la mise en œuvre du projet, vous pourrez recevoir des dividendes dans le cadre des bénéfices des projets de l'entreprise. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire, des dividendes. C'est que vous faites un investissement, hein, et vous recevez des dividendes.
des dividendes, c'est quelque chose que vous recevez à vie, pour le restant de votre vie. Donc, aussi bien pour vous, pour vos enfants et petits-enfants, ils auront une sécurité financière. Pourquoi? Il y a une garantie qui est offerte de 100 ans sur la technologie. Et une dividende, ça veut dire que à partir du moment que la compagnie fasse du profit, 20% du profit va à tous ses investisseurs. Donc, ça sont des dividendes. Quelque chose d'autre que je souhaite vous dire sur les dividendes, c'est que si vous avez les dividendes, ne les vendez pas. Gardez-les bien en sécurité. Imprimez votre contrat, mettez-les sur un stick USB, mettez-les dans une enveloppe verrouillée qui ne peut pas être mouillée, mettez-les dans un coffre-fort, ne les perdez pas et ne les vendez pas. Parce qu'au fur et à mesure que la compagnie va grandir, vous aussi, vous grandissez avec parce que vous êtes copropriétaire aussi de la technologie. Ça, sont des dividendes. Alors, l'héritage. Donc, les actions, elles sont votre propriété. Donc, vous pouvez les transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants en héritage. Et alors, naturellement, le dernier, c'est la vente des actions. La vente des actions, donc, veut dire la valeur actuelle des actions est bien inférieure, naturellement, à leur valeur normale, nominale. Dans le cas de la décision de la société et de rentrer en bourse, vous pourriez avoir la possibilité de vendre vos actions. Mais c'est quelque chose on va pas faire trop de publicité pour parce qu'on vous souhaite que vous gardiez les dividendes. Ça, c'est le plus important. C'est moi, descendre. Alors, des gens qui rentrent, soyez tous les bienvenus. Donc, naturellement, je souhaite vous partager à tous ceux qui voient cette présentation pour la première fois que le temps est maintenant pour investir. En ce moment, nous sommes encore toujours en pre-IPO. Vous voyez bien la différence? En pre-IPO. Donc, ça veut dire avant. Les pre-IPO sont aussi prononcés comme des A-class shares. Ça veut dire que ce sont des actions, des shares très spéciales. Normalement, ce n'est pas fait pour les gens normaux. Normalement, c'est fait pour les grands hommes d'affaires, pour les banques, pour les gouvernements. Normalement, les gens normaux, comme nous, on n'a pas accès à ça. C'est la première fois. Donc, vous savez, vous avez la possibilité de vous en procurer des A-class shares, donc les prix IPO. Alors, vous avez aussi les B-class shares ou les IPO. Ce sont ceux-là qui sont normalement, une fois qu'on est en bourse, ce sont des actions qu'on peut acheter et revendre. Mais ce ne sont pas des dividendes. Il y a une grande différence. Les dividendes, ça vous rapporte chaque année beaucoup d'argent. Les IPO sont des simples shares. Donc, si vous avez des pre-IPO, des A-class shares, qui vous donnent des dividendes, et à votre droite, vous avez le profit qui est ici. Donc, au fur et à mesure que la compagnie va grandir et que son profit grandit aussi, au plus que ça grandit, au plus que le prix de l'action va augmenter, plus grandes que vos dividendes seront dans le futur. Alors, aussi, très important à vous partager, naturellement, parce qu'on essaie d'être transparent le plus possible avec tout le monde, c'est que la technologie a réussi l'audit annuel des états financiers individuels, qui est une très bonne nouvelle. Alors, naturellement, rejoignez l'entreprise de transport à la croissance la plus rapide. Comment est-ce que vous faites ça? Tout d'abord, très important à vous dire, c'est on n'a que un lien où vous pouvez vous enregistrer officiel. C'est celui-là ici en dessous. C'est le https://new.skyway.capital que celui-là, pas d'autre. N'allez pas simplement sur l'Internet et typer Skyway parce que beaucoup de gens malafides sont sur l'Internet et si vous devriez faire un compte sur un lien qui n'est pas correct et vous investissez votre argent, vous pourriez en être quitte. Donc, il y a seulement un lien, c'est celui-là. Naturellement, si vous souhaitez devenir membre de la plateforme, contactez la personne qui vous a invité ici, votre sponsor,
et lui vous expliquera pas par pas comment devenir membre de la plateforme. Alors, laissez-moi vous expliquer les offres et ces opportunités naturellement. On a différentes offres, différentes opportunités, dont lesquelles on a différents paquets où on paye en une fois. Donc, ça veut dire qu'on achète un paquet de 1 000 $, on le paye en une fois. Je vais vous l'expliquer, par exemple, celui-là de 1 000 $. Hein. Pour 1 000 $, vous recevez 30 000 actions dans la compagnie. Le prix par action est de 0,03 $ et vous le faites en un paiement. Si vous faites l'enregistrement, la vérification et le paiement du paquet en 7 jours, alors vous recevez encore une fois 10% d'actions en plus. Donc, ça sont les paquets pour en un paiement. Alors, nous avons aussi les paquets de paiement en plusieurs mois. Je vais aussi vous expliquer le même paquet de 1 000 $, ce qui s'appelle le stable. Donc, 1 000 $ vous donne 28 000 actions. Le prix d'action est de 0,04 et vous pouvez le payer en 5 fois. Donc, en 5 mois, ce qui vous fait 200 euros par mois. Si le premier mois, vous faites un double paiement, vous recevez encore une fois 1 000 actions en surplus. Donc, ça veut dire 29 000 actions que vous recevez. Aussi ici, vous avez la promotion qui, si vous faites la vérification, l'enregistrement, le paiement dans les 7 jours, vous recevez 10% en plus. Alors, en ce moment aussi, il y a un Champions Challenge qui a commencé déjà le mois passé. Maintenant, on est en stage 2 qui a commencé le 15 juillet et qui durera jusqu'au 14 septembre 2022. Alors, vous avez l'opportunité de participer à ce challenge et d'être l'heureux gagnant de 1 million d'actions. Donc, n'attendez pas trop longtemps. Activez-vous dans ce challenge. Il n'est pas trop dur, le challenge. Donc, tout le monde est impossible de gagner le challenge. Alors aussi, on a une application Skyward Community pour tout portable Android. Donc, vous avez la Skyward Community en réalité virtuelle sur votre plateforme. Là-dedans, vous retrouvez toutes dernières nouvelles, votre structure, votre investissement, votre nombre d'actions. Alors, prenez une photo aussi de cette page si vous le souhaitez. Nous avons notre site web officiel de la compagnie, notre chaîne officielle de la Unesky Strength Technology. Aussi, on a notre site unesky.ingénieur et puis aussi le site canal YouTube de M. Anthony Unesky. Si vous allez sur ces chaînes YouTube, likez les pages, mettez un petit commentaire, supportez notre CEO. Tout commentaire est la bienvenue. C'est un monsieur qui a déjà plus de 70 ans, donc chaque petit compliment est certainement la bienvenue. Et alors, très important aussi pour vous à partager, c'est qu'on a un nouveau site web de la Unesky Strength Technology disponible et elle est, c'est https://ust.inc/. Ça, c'est notre nouveau site web. Mais pas grave, si vous devriez quand même encore aller sur unesky.com, automatiquement, vous allez être relié vers le nouveau site web. Alors, je suis Charles, un tout grand merci d'être présent ici aujourd'hui. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez faire ça via notre adresse email. C'est naturellement india@skyway.capital. Je suis aussi responsable commercial aussi pour les Indes de l'adresse email. C'est mon numéro de téléphone. Aussi, vous avez les contacts de Mme Kat Jacobs, la responsable commerciale. Vous avez son numéro de téléphone. Aussi important à vous partager, c'est que nous avons un groupe sur Facebook, YouTube, Telegram et Instagram qui s'appelle Skyworld New Millionaires. Donc, rejoignez notre plateforme, grandissons cette communauté encore plus. Si vous venez sur Facebook et vous venez dans notre groupe Skyworld New Millionaires, vous marquez le nom Kat Jacobs ou Charles Sitters et comme ça, on sait que vous avez participé à cette réunion aujourd'hui.
rejoignez-nous et là, information, enregistrement est partagé avec vous presque tous les jours. Donc, un tout grand merci à tous pour être aussi aujourd'hui présents et à ceux qui vont regarder l'enregistrement après. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions et à très bientôt et merci pour votre superbe travail d'équipe. Merci.